à tous les Boboys, aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour l'annonce des deux nouveaux châssis de la marque Fusion, le C220 Cinématique et le F212 Freestyle. Ça fait quelques mois qu'on travaille dessus avec toute la team Fusion et aujourd'hui en ce 15 octobre 2021, c'est la sortie officielle. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dans le lien que je vous ai mis en description. C'est le lien vers le shop Banso qui est en partenariat pour les ventes de ces châssis et également à m'envoyer un message sur Instagram, EscapeFPV, si vous préférez. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment assembler les deux châssis. Mais avant ça, je vais vous mettre quelques images du cinématique et du freestyle qu'on a réalisé avec toute la team Fusion ces 4 derniers mois. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Donc on va passer à l'unboxing des deux châssis. Donc on a un 212 Freestyle et un 220 Cinématique. On va regarder à l'intérieur de la boîte ce qu'on a. Donc la boîte en papier craft, voilà, recyclable, avec le logo ici et là de la marque Fusion. Alors, on a une jolie boîte avec le stickers Fusion. Donc le tout est tenu par un papier de soie. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Une petite pochette en lin avec donc deux straps Kevlar Fusion. Ici et là, on a les stickers. On va enlever les deux straps. Une seconde pochette en lin avec la visserie à l'intérieur et les entretoises. Et on a notre lipopad 3M Humagrip. Donc on va ouvrir tout de suite le carbone qui est dans la pochette en lin. Donc chaque pièce est emballée dans un papier de soie noir biodégradable. On va mettre de côté, voilà, le papier craft, on n'en a plus besoin. Ok, donc en fait, l'intégralité de la frame est dans un carbone T700 avec des finitions en chanfrein arrondi. Toutes les pièces ont un chanfrein différent, donc vous étonnez pas si vous n'avez pas le même chanfrein que moi. En fait, on a une finition vernie. Le châssis est verni et chanfreiné sur toutes les pièces. Donc en fait, on a des super finitions, une super qualité de carbone. Et c'est quand même déjà de 1 agréable. Et en plus de ça, bah, ça donne une rigidité qui est importante pour votre frame. Petit porte-clés qui va bien, le porte-clés lui est en carbone T300, c'est pas la même qualité, mais c'est toujours sympa d'avoir un joli petit porte-clés. Ça on verra donc par la suite. On va ouvrir donc la visserie, à l'intérieur de la visserie. Donc nous avons 8 entretoises. Donc à l'intérieur de la visserie, on a un condensateur 1000 UF, 35 volts, idéal pour le 6S, ça c'est parfait. On a 4 vis de stack. On va avoir aussi des grandes vis. Voilà, 20 mm. Si jamais vous avez un stack Vista, il va tenir en fait ici sur un rail. Vous voyez, tac, on va pouvoir avancer ou reculer à notre stack Vista et ça c'est quand même plutôt pratique. Donc ensuite, on va avoir 4 petites rondelles. Voilà, comme celle-là. Donc elles sont faites sur mesure. C'est des rondelles noires à la dimension de 0,5 mm. Faites attention à ne pas les perdre. C'est pour ça qu'on a choisi un petit pochon en lin beige pour être sûr que à l'intérieur, voilà, comme par exemple on le voit ici, j'ai oublié une petite pièce, donc faites attention. 4 écrous nylon, les écrous nylon ça va nous permettre de venir fixer les vis de stack comme ça et de pouvoir monter donc notre SC et notre contrôleur de vol. Un petit porte-clés, donc ça va permettre de venir le fixer là-dessus si vous le souhaitez ou pas, à votre choix. Donc les entretoises. Les entretoises, c'est des entretoises custom que j'ai fait créer par Laurent Athénol au niveau du design. C'est fabriqué dans une entreprise qui travaille avec Caterpillar, avec Logitech sur leur série MX. C'est des entretoises dans un aluminium de super bonne qualité. Voilà, c'est des entretoises custom qui font 31 mm. Et ouais, elles sont validées, elles sont vraiment bien.
est très joli, couleur argentée comme ça. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'on avait à l'intérieur de la boîte, on va passer à l'assemblage. Donc on va avoir besoin de notre bottom plate, on va avoir besoin de nos quatre bras, des vis et des rondelles qui sont juste ici. Donc je vous montre un peu les différentes tailles de vis, que vous puissiez faire vos petits tas. On a des vis en 8 mm, 8 mm on en a 8, des vis en 12 mm on en a 4, et des vis en 6 mm on en a 12. Comme ça, ça vous permet de faire vos petits tas, ok. Et donc on va y prendre une M8 et on va y passer une rondelle comme ça. Hop. Donc il faut savoir une chose, c'est que sur le châssis Fusion, les vis elles passent pas à travers. Vous pouvez pas prendre votre vis et la passer à travers. Tout simplement parce qu'il faut la visser dans le carbone de manière à avoir plus de rigidité. Et ça, c'est des petits détails, mais une fois sur le terrain, quand vous êtes en train de voler avec votre frame, vous vous retrouvez avec quelque chose qui est beaucoup plus rigide et ça se ressent dans le comportement de vol. C'est super important. Combiné à un carbone de bonne qualité en T700, comme sur ce châssis, on se retrouve avec tout simplement une frame haut de gamme qui vole super bien. Les bras vont venir se placer comme ça à l'intérieur, donc on peut directement visser notre premier press-net. Donc le vis est pas à fond, ça sert à rien. On va venir ajuster après au fur et à mesure. On va faire pareil pour le reste. Avant de placer donc notre bras, vous voyez, j'ai mis la vis. On va placer notre central plate. C'est la plate qui va permettre de tenir les bras ensemble et de manière à ce qu'ils ne bougent pas. Super important. Alors pourquoi il y a une central plate? Eh bien tout simplement parce que les bras, pour qu'ils soient symétriques, vous voyez, en fait, on a un bras qui a une parfaite symétrie. Pour qu'ils soient un bras gauche et un bras droit, eh bien il nous fallait donc sur ce modèle une central plate. Une plate qui est au milieu et qui permet de faire un bras droit ou un bras gauche. Donc la central plate, vous la tenez, vous mettez votre bras comme ça, et pareil, vous venez visser. Et voilà. Donc vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mes deux bras, j'ai placé ma central plate, j'ai placé un bras. Et en fait, le dernier, vu que j'avais du mal à le mettre, par exemple, soit vous pouvez l'interchanger, ok. Et puis finalement, on va prendre ce bras et le mettre ici. Et j'ai dévissé les deux vis qui étaient à l'arrière, de manière à avoir un petit peu plus de jeu sur la central plate, visser celle qui était ici, de manière à ce qu'elle ne bouge pas. Et la dernière, eh ben, elle est rentrée. Ok, donc je vous montre aussi pour la version cinématique. Un press-net également à l'intérieur de chaque bras. Toujours vis avec la petite rondelle. Ça, ça n'a pas changé. La seule chose qui change, c'est qu'on n'a pas de central plate. D'accord? C'est un interlocking à quatre bras. À savoir qu'on a une partie qui est plus courte ici et une partie qui est plus longue. Autre chose à savoir d'important, quand vous commandez un bras de spare du 220, cinématique, d'accord, sur le site de Benso ou avec moi directement, vous allez recevoir votre bras sans le press-nut inséré. Voilà, il est dans le kit, hein, vous allez recevoir le press-nut et le bras, mais il n'est pas mis directement dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre bras a la possibilité d'être soit un bras droite, voilà, s'il est positionné dans ce sens-là, soit un bras gauche, si vous le retournez, d'accord. Et en fait, vous avez donc un creuset qui vous permet d'y mettre soit dans un sens, soit dans l'autre, votre press-net. Je vous montre comment on fait pour mettre un press-net. Donc, vous le placez sur le dessus, d'accord. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se sert de notre petit porte-clés. C'est pour ça qu'il n'arrive pas directement mis sur la chaîne, comme ça. Parce que si vous avez la nécessité d'y mettre un press-net, et bien, en fait, voilà. Vous prenez une vis, comme ça, vous la passez à l'intérieur du porte-clés, d'accord. Vous prenez donc votre bras avec le press-nut qui est juste posé sur le dessus. Voilà, vous voyez, il va dépasser comme ça. Au départ, il faut venir le faire prendre à l'intérieur. Donc, on tient le press-nut et une fois qu'on sent qu'il est bloqué, on vient positionner dans la partie haute notre petit porte-clés. On tient le porte-clés avec nos deux doigts et on tient notre bras comme ça, d'accord. Et en fait, on va venir tout simplement serré. Je vous montre, il va rentrer à l'intérieur du bras. Et quand on voit qu'il arrive bien à l'intérieur,
faut pas qu'il dépasse, c'est très important. Et une fois qu'on voit qu'il ne dépasse plus, voilà, comme ça, qu'il est bien à l'intérieur, eh bien on va pouvoir donc dévisser. Et voilà, donc, notre presse-net est bien rentré à l'intérieur, il dépasse pas. Petite astuce pour assembler vos bras, si vous avez du mal à mettre un bras, n'hésitez pas à retourner la central plate. Voilà, au départ c'est un petit peu difficile à mettre les quatre bras ensemble avec la central plate, mais c'est voulu puisque ça rentre au millimètre. Et l'avantage, c'est qu'une fois le châssis assemblé, vous pourrez simplement en dévissant une et deux vis, eh bien donc enlever un bras si jamais vous le cassez sur le terrain et si vous voulez donc le remplacer. C'est super pratique, c'est rapide et ça permet de revoler sur le terrain si jamais on a un problème. L'avantage aussi, c'est que la middle plate qui est ici a le stack donc isolé. Vous avez donc 4 trous, enfin 8 trous plutôt, ici et là. Et quand on la retourne, vous avez des emplacements donc 20-20 ou 30-30. Donc au choix, vous allez prendre vos vis avec voilà, une tête fraisée comme ça, et par exemple on choisit 20-20, imaginons, vous allez donc simplement les placer comme ça et avec les petits écrous nylon venir la visser comme ça. Voilà, donc on a nos quatre vis de stack qui vont nous permettre de monter notre ESC et notre contrôleur de vol. Parfait, on va pouvoir donc positionner notre central plate comme cela et venir eh bien tout simplement la visser au reste du châssis. Et voilà, donc on a nos quatre press nuts qui sont placés, notre middle plate qui est en place, on peut passer à la suite. Vous avez, si vous le souhaitez, toute une série de prints 3D. Ce que je vous présente, c'est une série de prints de chez Banso, imprimés par Banso. Donc si vous les commandez sur le site de Banso, vous recevrez ceux-là, dans cette qualité-là. Donc ça, c'est les protections de bras freestyle. Il existe aussi une version allégée. Et donc vous avez des petits serre-câbles à mettre sur les bras, juste ici. On va par exemple en mettre un, allez hop. Et puis après, vous avez donc des supports antennes comme celui-ci qui permet d'y mettre une antenne. Vous l'avez soit en version analogique, soit version numérique qui prend XT60 ou pas, c'est au choix. Il y a plein de prints. On a par exemple aussi un support V-Fly. Le support V-Fly, en fait, il vient se placer dans la cam plate comme ça. On met notre cam plate et après, on a une entretoise qui vient se prendre là-dedans. Donc à savoir que tous les prints 3D que je vous présente ici sont en kit et au choix sur le site de Banso et bien sûr sont personnalisables en fonction de vos besoins, c'est-à-dire si vous êtes en analogique, si vous êtes en numérique. Voilà, il y a plein de choix de possibles et bien entendu, vous les avez de disponibles sur le site de Thingiverse si jamais vous souhaitez les imprimer. Voilà. Pour ceux qui sont en numérique, on a la possibilité de mettre un Air Unit à l'arrière, voilà, avec buzzer. Bon, ça, c'est au choix, évidemment. On peut mettre des grosses antennes, des petites. Mais la possibilité d'y mettre le Air Unit, ça, c'est bien pratique. Une version light du print GoPro que je ne vous ai pas montré. La version freestyle, elle est là. Voilà, sur mon freestyle, vous avez les protections de bras mises. Et en fait, à l'avant, on a un support GoPro avec le support pour mettre les filtres NDTBS. À l'arrière, on a juste la place pour y mettre, je sais pas si on va le voir à la caméra, voilà, on a juste la place des indications, enregistrement, la batterie, combien il reste de batterie, combien il reste de SD, et en bas, pareil, le mode, si vous êtes bien en 4K. Le print, il est solide, c'est vraiment le print spécial freestyle, et ouais, honnêtement, il est vraiment cool. Vous pouvez les acheter sur le site de Banso dans plein de coloris ou en noir et blanc pour ma part si vous commandez votre frame directement avec moi. On passe à la suite, je vais mettre ça, tout ça de côté. Hop, les impressions 3D, on a fait le tour. Et on va donc maintenant, je vais laisser les quelques petites impressions 3D là que j'ai placées. C'est cool, on va continuer, on va avancer sur le châssis. Donc on a encore toute notre petite visserie qui est donc la visserie en 6 mm. Et en fait, on va venir placer nos entretoises. Alors les entretoises, il faut savoir qu'il y a quelques petits détails. Les vis qui sont ici, bien entendu, comme tout à l'heure, on vient les visser à l'intérieur du carbone. D'accord? Pas trop,
Parce qu'en fait, notre entretoise qui a une forme hexagonale, alors on l'a designé comme ça, au cas où un jour vous venez prendre un gros crash et que vous venez abîmer une vis, que vous ne pouvez pas dévisser votre vis, que vous ne soyez pas obligé d'abandonner votre carbone bêtement, non, ou votre entretoise. Il vous suffira donc avec une clé en 5 mm de venir tout simplement tourner votre entretoise. Et ça, c'est super pratique. Donc l'entretoise, la partie plate, va venir se placer contre le bras et contre la central plate, la middle plate, pardon. En fait, ça a pour but de venir renforcer encore la rigidité du châssis et donner beaucoup plus de force et de rigidité à votre châssis. Là, il faut d'abord la positionner, comme je suis en train de le faire, avant de venir visser la vis du dessous. Donc voilà, quand elle est positionnée, hop, on peut venir visser. Là, elle touche donc volontairement le bras et la middle plate. Une fois que c'est placé de l'autre côté, à l'avant de la middle plate, et on a la même chose. On a deux vis qui vont venir toucher les deux bras. Magnifique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir y mettre mon support V-Fly, donc mon support de buzzer. Alors la caméra plate, bien faire attention, il y a un sens. La partie où vous avez le plus gros creuset va en haut, et la partie du petit creuset, elle va en bas. Donc hop, on fait pareil en face. Alors à l'avant, les entretoises, ça va être la même chose. Il va falloir venir la placer contre, comme ça, et après visser la vis en dessous. Et donc, une fois qu'on a mis notre vis en place, on vient mettre notre entretoise comme on le souhaite. En fait, vous voyez, elle arrive bien contre la caméra plate, juste là, à ce niveau-là. Ça, c'est ce qu'on veut. On fait pareil de l'autre côté. Vous voyez, c'est parfait. Elle est bien à plat, elle arrive contre. Et c'est ce qu'on veut, donc c'est tout bon. On peut passer aux deux dernières. Donc si jamais vous avez un print, il faut le placer avant. En fait, il fait office aussi de bumper arrière, vous voyez. Donc on a fait tout le nécessaire. Maintenant, on va pouvoir donc placer notre top plate. Donc la top plate, elle a un sens. Le logo, il va dans ce sens. La tête du phénix, elle regarde vers la droite. On va venir la placer comme ça. Venir faire glisser la caméra plate pour venir la faire prendre à l'intérieur. Donc maintenant qu'on a mis nos 4 vis 6 mm à l'arrière, il nous reste à mettre les 4 vis 8 mm à l'avant. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si vous y placez un support comme celui-là, il va falloir un tout petit peu plus de profondeur. Ça donnera plus de solidité à votre monte, plus de solidité à votre frame. On a fini l'assemblage de la frame en 212, donc la frame freestyle, le F212, qui accepte donc des hélices en 5.1 mm avec une clearance de 2 mm au milieu, ce qui va donner un comportement très agile, très vif dans les airs. Donc la finition de la frame qui sont vraiment très jolies avec ces entretoises custom que j'ai fait designer par Laurent Athénol, avec cette petite couleur argentée, anodisée argentée. Les finitions du carbone avec ce vernis sur toutes les pièces et ce joli petit chanfrein arrondi en plus sur les bras. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour terminer, le lipopad qui est ici. Donc c'est fabriqué dans l'entreprise qui fabrique les Humagrip. Donc ça, c'est voilà, pour les connaisseurs, vous reconnaîtrez la petite texture du gelopad. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever toutes les parties intérieures. On y va doucement. On peut s'aider d'un tournevis si jamais ça peut servir. Ok, donc une fois qu'on a enlevé toutes les petites parties qui ne nous servent pas, on va tout simplement enlever la partie 3M à l'arrière qui permet de coller le pad. Et donc le pad, la petite technique, c'est d'aligner le petit cercle qui est juste là, voilà la pointe du cercle, sur la tête du phénix, comme ça, et de bien vérifier qu'on est centré. Faut pas le tirer dessus parce que vu que c'est du gel, ça s'écarte très vite et ça devient assez chewing-gum d'un moment si vous venez, voilà. Et là, c'est placé. Pour ceux qui connaissent pas la texture du Humagrip, en fait, le principe du Humagrip, je sais pas si j'ai une batterie sous la main, non, j'en ai pas. Je vais vous faire ça avec ça. Donc en fait, par exemple pour mon enceinte, hein, vous venez placer votre batterie dessus et votre batterie, elle tient toute seule. Donc ça, c'est super pratique parce que ça permet, vous venez y mettre un strap, bien entendu, pour sécuriser la chose, mais ça permet de venir placer votre batterie et de ne pas être en difficulté pour venir tout simplement serrer votre lipo-strap au-dessus de votre batterie. Moi, je trouve ça vraiment génial. C'est ce qui se fait de mieux en lipopad, clairement. Et c'est pour ça qu'on l'a mis sur le châssis. Petit point aussi rapide sur la qualité du carbone, le T700
par rapport au T300. C'est super important. Ça donne beaucoup moins de résonance à l'intérieur de votre frame et qui se retransmet sur votre contrôleur de vol. Et qui dit moins de résonance dit comportement plus sain. Et qui dit comportement plus sain dit moins de vibrations, moins d'oscillations. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus agréable. Et vous avez une frame qui est tout simplement plus saine, plus rigide et qui encaisse beaucoup mieux les coups. Et c'est pour ça que bah, cette frame-là, c'est vraiment une excellente frame de freestyle. Ok, on va passer à la pesée. Donc, on va peser le châssis à nu, c'est-à-dire sans les vis de stack, sans le lipopad, juste la visserie et les entretoises, le carbone. À savoir que le 212 et le 220 font le même poids. Celui-ci, c'est la version cinématique. On la reconnaît avec les petits trous juste là sur le bras. La version 220 a des bras plus fins sur les côtés, mais plus longs. Et la version freestyle a des bras un petit peu plus larges et un peu plus courts. On passe à la pesée. Hop, 112 grammes. 112 grammes pour les deux châssis. C'est un poids qui est correct. On est donc sur des entretoises en 31 mm, comme je vous disais tout à l'heure. Cette version cinématique, c'est une version 220 mm qui accepte donc des hélices en 5,1 pouces. D'accord, qui permet avec un angle à 0 degré de ne pas voir les hélices dans le champ de caméra. Donc ça, c'est vraiment très bien. La géométrie donc en 220 mm, comme ça, lui donne une stabilité qui est accrue par rapport au 212. Des courbes qui sont plus smooth. Et l'avantage, donc, c'est que vous avez le même body. Et si vous voulez passer de la version freestyle à la version cinématique, il vous suffira simplement de commander un set de bras de l'un ou de l'autre. Et puis, bah, vous pourrez switcher. Tout simplement. Voilà pour la présentation des deux châssis. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez passer commande soit sur le site de Banso, soit directement avec moi, vous m'envoyez un message. Si vous avez une imprimante 3D à la maison, les prints 3D sont disponibles sur Thingiverse. Et voilà, on a fait le tour sur les deux nouveaux châssis de la marque Fusion. Si vous achetez le châssis, n'hésitez pas à me mentionner, à m'envoyer un message pour me dire ce que vous avez pensé du châssis. S'il y a des améliorations à faire, évidemment qu'on prendra en compte vos avis pour peut-être une amélioration si nécessaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un petit like en dessous de la publication et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao les Boboys.